Allons dans Joël chapitre 2, verset 23. « Soyez dans l'allégresse, enfants de Sion, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. » Le prophète Joël regarde la fin des temps. Il a dit « Je vais répandre mon esprit sur toute chair. » Dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu n'était pas répandu sur toute chair. L'Esprit de Dieu était principalement sur les prophètes, les sacrificateurs et les rois, ainsi que sur les personnes ayant des missions spéciales. C'est là que l'Esprit de Dieu était répandu. Joël parle prophétiquement « Je vais répandre mon esprit sur toute chair. » Et il dit au verset 23 « Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. » Qu'est-ce que la pluie? C'est le symbole de l'onction. « Je vais faire pleuvoir. » Puis il continue et dit au verset 24 « Et les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moût et d'huile. » Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasirez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La honte est une force très très puissante. Je méditais il y a quelques instants sur 2 Samuel, et comment David a dansé quand il a ramené l'arche avec juste son pagne. Sa femme n'a pas du tout aimé ça. Mais la Bible dit qu'il n'avait pas honte. Comme je l'ai dit, la honte est une force très puissante. Elle peut amener les gens à faire des choses vraiment étranges. Puis il continue au verset 28 et dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. » Je vais couvrir quelque chose aujourd'hui qui semblera presque trop beau pour être vrai. Mais c'est vrai. C'est vraiment ce qu'on appelle une bonne nouvelle. C'est pour vous. Je vais prêcher cela une seule fois et vous allez le comprendre. Allons à Colossiens chapitre 1 verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre. C'est l'apôtre Paul qui parle ici. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il appelle cela un mystère, ce qu'il est sur le point de vous donner. Ce mystère est simplement quelque chose qui dépasse la compréhension humaine. Par exemple, la scène. La scène n'est pas juste un rituel que nous faisons le quatrième dimanche ou le premier dimanche du mois, mais elle peut être un moment de guérison surnaturelle. Parce que c'est un mystère. La louange et l'adoration. Un mystère. Une fois, je me souviens quand j'étais au séminaire et que je suis rentré à la maison, les choses n'allaient pas bien du tout. Et ma femme m'a dit « Pourquoi ne louons-nous pas simplement le Seigneur ?» J'ai dit « Je ne veux pas louer le Seigneur. » Si vous vous souvenez quand Paul et Silas étaient en prison, ils ont prié puis ont loué Dieu au point que les autres en prison les ont entendus. Soudainement, la prison a tremblé. Pourquoi ? Parce que la prière envoie des anges, mais la louange amène Dieu lui-même. Et c'est un mystère. La louange est ce qu'il faut faire quand on ne sait pas quoi faire. Un autre mystère, laver les pieds, l'un des moyens les plus puissants de se débarrasser de l'orgueil. Mais nous avons substitué le divertissement à l'onction. Et ça ne va pas marcher, les amis. La Bible parle également du mystère des langues. Parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous prononcez la volonté de Dieu et vous la dites à Dieu. Ce qu'il dit ici, c'est qu'il y a un mystère.
le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, verset 27, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christou, en vous l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère, Christ en vous. Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ signifie « loin et son onction ». Ésaïe 10, verset 27, le décrit comme la puissance de Dieu qui ôte le fardeau et détruit le joug. Christ peut être considéré comme la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu sur la chair humaine pour faire ce que seul Dieu peut faire, Christ. En hébreu, c'est le Messie. Mais cet oint et son onction sont mentionnés dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Il dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Cela signifie que les choses ne seront pas faites par l'armée. Elles ne seront pas faites par l'effort naturel, mais elles seront faites par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu. Je parle de ce qui va se passer dans les derniers jours. L'onction ne sera pas quelque chose, ce sera tout. Paul parle de cet oint et de son onction. Allons à Philippiens chapitre 4, verset 13. Je puis tout, par qui ? Christ. Qui quoi ? Me fortifie. Christ signifiant l'oint et son onction. Parlons-en parce que je veux l'encadrer d'une manière qui vous la fera voir comme jamais auparavant, et pour que vous voyez quelle partie de votre vie, en ce moment, n'a peut-être pas été activée. À partir de ce soir, elle le sera. Il y aura des choses que vous accomplirez à partir de ce soir, que vous n'avez jamais accomplies auparavant dans votre vie. Dites Amen à cela. Commençons avec Adam. Revenons à la Genèse, chapitre 1. Nous voyons que Dieu a fait l'homme à son image, verset 26, et à sa ressemblance. Et il dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a tracé une ligne et a dit « Je vais leur confier la terre », ce qui signifie que moi-même, je ne la contrôle pas. Je vais les laisser gérer la terre. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre » et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre, c'est renouveler et fournir perpétuellement. Je voudrais que vous voyiez quelque chose. Il a donné à Adam cette responsabilité, et il l'a béni. Il l'a habilité à prospérer. Il l'a habilité à réussir. Il l'a habilité à produire quelque chose. Adam est placé, la Bible en parle ici, dans le jardin. Il est dit au verset 7 du chapitre 2, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Il est devenu un esprit parlant comme Dieu. » Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme. Pourquoi a-t-il mis l'homme dans le jardin? Parce que c'est pour cela que l'homme a été créé. Le jardin d'Éden. Éden signifie « lieu de vie voluptueuse »,« lieu de luxe ». Vous n'étiez pas destiné au temps difficile. Ici, il a pris cet homme et l'a mis dans l'environnement où la présence de Dieu était. Et partout où Adam allait, il était censé reproduire ce jardin. Il avait la bénédiction pour le faire. Plus loin, il lui a fait une interdiction. Il lui a dit de ne pas manger d'un certain arbre, verset 17. « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu seras séparé de moi. » Verset 18. L'Éternel Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ce qui signifie que quel que soit le nom qu'il leur donnait,
C'était le nom même que Dieu donnait. Remarquez qu'il n'y avait pas d'université dans le jardin. En effet, il nomme chaque insecte, chaque oiseau, chaque plante. Il a tout nommé sans université. Le nom que j'ai donné à cet enseignement est « Remplacer les années ». Restaurer les années. Je ne parle pas de restaurer les années de votre vie, telles que « J'ai perdu mon cousin », « Quelqu'un m'a volé mon argent ». C'est plus que ça. Remplacer les années. Nous allons vous ramener jusqu'au jardin. Cette onction qui est dans les derniers jours va vous ramener à une existence qu'Adam avait dans le jardin avant la chute. Que s'est-il passé ensuite? Voici que Satan arrive. Satan vient, il tente Ève. La Bible dit qu'Ève a été trompée. Elle a mangé du fruit parce qu'elle a été trompée. Elle pensait que c'était juste. Adam en savait plus qu'elle, mais il en a mangé. Et une fois qu'il en a mangé, la malédiction a frappé la terre. Il y a un grand débat sur l'origine de cette malédiction. Parce que vous savez qu'elle ne venait pas de Dieu, parce qu'il n'a pas de malédiction. Elle venait de cet homme. C'est le pouvoir de cette bénédiction quand elle est renversée. Et cela a affecté tout ce qui volait, tout ce qui nageait. Cela a affecté toute la terre et le reste. C'est ça le pouvoir d'un homme. Je veux que vous voyiez cela. Continuons. L'homme est en difficulté, mais Dieu a un plan. Le plan qu'il a est appelé le plan de la rédemption. Dieu va racheter son homme. Ce plan est déjà mis en marche. Allons dans Genèse chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Voici la traduction amplifiée du verset 2 dans la traduction amplifiée. « Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, et je multiplierai tes faveurs. Je rendrai ton nom célèbre et quoi ? Distingué, et tu seras une bénédiction, dispensant des biens aux autres. Je bénirai ceux qui te béniront, qui t'accorderont prospérité et bonheur, et je maudirai ceux qui te maudiront et useront d'un langage insolent envers toi. Et en toi seront bénies toutes les familles et tribus de la terre. Et par toi, elles se béniront elles-mêmes. Dieu a dit à Abraham qu'il allait rendre son nom célèbre et distingué. Était-ce juste pour Abraham ou était-ce pour sa postérité également? Tout ce qu'il a dit à Abraham était pour Abraham et sa postérité. La Bible dit dans Galates, chapitre 3, verset 29, « Si vous appartenez à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham et héritier selon la promesse. Ce qu'il a promis à Abraham, il vous l'a promis. Quand je suis venu à Chicago, je n'avais rien. Je suis venu avec 200 $. Nous étions allés au séminaire et étions revenus à Chicago, sans rien d'autre que 200 $ et aucun endroit où rester. Aujourd'hui, nous prêchons sur une base hebdomadaire à près d'1 milliard de personnes. Sur une base hebdomadaire. Aujourd'hui, nous avons des écoles de commerce, des écoles bibliques, et ainsi de suite. Écoutez, Dieu a promis que si vous le suivez, il va rendre votre nom célèbre et distingué. Dites amen à cela. Je n'essaie pas de dire que je l'ai fait. Je dis juste que Dieu a dit « Je te rendrai ». Parce que si vous allez au chapitre 11 de la Genèse, vous verrez qu'ils essayaient de construire une tour de Babel et ils ont dit « Faisons-nous un nom ». Voyez-vous, Dieu ne veut pas que vous vous fassiez un nom. Il veut se faire un nom pour vous. De vous, par vous, pour vous. Parlons de cette onction. Dieu a dit à Abraham, « Écoute, ton peuple sera en esclavage pendant environ 400 ans, puis je les délivrerai puissamment. Je les sortirai de la servitude et les ferai entrer dans le pays que je leur ai promis. » Ils étaient donc en esclavage. Dieu suscitait un homme nommé Moïse pour aller les chercher. Prenons le verset 19 du chapitre 3 de l'Exode. « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante.
j'étendrai ma main, et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Laissez-moi le dire avec mes propres mots. Moïse, le peuple ne peut pas sortir de l'esclavage de Pharaon avec des capacités humaines. Aucun être humain ne peut vaincre le diable sans Dieu. Personne. Peu importe qui est l'humain. Quand tu descendras là-bas et diras à Pharaon de laisser aller mon peuple, je suis sûr qu'il ne les laissera pas aller. Pourquoi ? Parce qu'ils l'aident à construire son économie. Ils sont des esclaves, pour la raison que la plupart d'entre eux m'ont oublié. Ils ne me connaissent même pas. Tu vas devoir descendre et me réintroduire à eux, puisque maintenant, ils pensent que leur travail est leur source. Verset 21. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. 22. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Moïse devait être envoyé là-bas. Je ne vais pas parler de Moïse ici, je vais juste parler de l'onction, mais je reviendrai à Moïse avant de finir. L'onction. Allons dans Nombre, chapitre 11, verset 17. C'est Moïse et les enfants d'Israël dans le désert. Il les a délivrés, ils sont dans le désert, mais le désert n'est pas censé être l'endroit où ils doivent rester. Le désert est un endroit où il y a juste assez. Et vous n'avez jamais été conçu pour juste assez. Dites amen à cela. Regardez ce que Dieu fait parce que Moïse a conseillé tout ce peuple. Nous savons qu'il y avait environ 600 000 hommes, c'est-à-dire des personnes de 20 ans et plus, et nous estimons un total d'environ 3 millions de personnes que Moïse a là-bas et qu'il dirige. Verset 17. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Moïse, voici ce que je vais faire pour toi. Je vais prendre ce que j'ai placé sur toi pour conseiller les gens, et je vais le mettre sur ces 70 autres. Moïse, il faut que tu comprennes qu'ils iront se coucher stupides et se réveilleront intelligents. Prenons l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 14. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient, disant « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié ?» L'amplifié dit « Comment en sait-il autant ? Il n'a jamais été formé. » La traduction Bonne Nouvelle, BFC, dit « Et comment cet homme connaît-il cela et il n'est jamais allé à l'école ?» Revenons à Moïse. « Moïse, je ne vais pas envoyer ces 70 à la Sorbonne. Ils vont aller se coucher bêtes et se réveilleront intelligents. Saisissez bien cela, parce que je retourne au jardin. Je vous le dis, Dieu est pressé. Je comprends l'école. Je comprends ces choses, mais je suis sur le point de faire quelque chose que l'école ne peut pas faire. Je ne parle pas contre le fait d'avoir une éducation. Allons rapidement dans Daniel, chapitre 1, verset 17. Dieu accorda à ces quatre jeunes gens, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Qui leur a donné cela ? Dieu l'a fait. Regardez le verset 19. Le roi s'entretint avec eux. Et parmi tous, ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait combien de fois supérieurs ? 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. En d'autres termes, je vais vous donner des choses que vous ne pouvez pas obtenir à l'école, parce que votre école m'a dit que je ne pouvais pas y entrer. Elle a retiré ma parole de ces bâtiments. Alors je suis sur le point de faire une démonstration à ce diable qui a orchestré cela. Il leur a donné de la compétence dans toute connaissance. Cela signifie que vous pouvez vous asseoir dans le même cours de chimie que votre ami qui n'est pas sauvé. Et vous allez voir
alors qu'un professeur parle, que Dieu va vous parler en même temps. C'est la même façon dont il le fait maintenant. Alors que je parle, le Saint-Esprit vous parle. Il vivifie des choses. Voyez-vous, vous n'êtes pas conçu pour rivaliser avec le monde. Vous êtes conçu pour dominer le monde. Allons dans Exode chapitre 30 et un verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit « Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. » Dieu dit, « D'accord. Ils sont sortis de l'esclavage. Voici ce que je vais faire. Je vais mettre mon intelligence sur eux. Comprenez que l'intelligence de Dieu est la même qui a créé la terre. Je vais mettre mon intelligence sur eux, parce qu'ils vont faire ce que j'ai commandé, ils vont le réaliser. » Je dis que le monde, en ce moment, essaie de résoudre des problèmes avec l'intelligence du monde. La Bible dit que c'est terrestre, sensuel et diabolique. Il sera limité. Ce genre d'intelligence essaie de résoudre un problème, mais en suscite un autre. Tout d'un coup, vous entendez parler de tous les taux de suicide. Eh bien, vous n'avez qu'à allumer la télévision au moment des nouvelles et regarder certaines des publicités sur les médicaments. Ce médicament peut provoquer des pensées suicidaires. Pas étonnant que vous ayez un tel taux de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils essaient de résoudre cela avec l'intelligence des hommes, et l'intelligence des hommes a des effets secondaires. Or, vous ne pouvez pas faire une overdose de « ce que je vous donne ». Ce que Dieu vous donne va résoudre ce problème pour toujours. Dites amen à cela. Continuons. Allons dans Deutéronome chapitre 34, parce que Moïse doit transmettre le leadership maintenant. Il ne le transmet pas en fonction de la quantité de connaissances académiques ou scientifiques que Josué a, mais regardez le verset 9 de Deutéronome 34. « Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il l'a reçu par transmission. Je vous dis que vous pouvez obtenir cette transmission en me laissant vous prêcher. Vous ne venez pas seulement à l'église pour entendre un autre sermon. Vous venez ici pour obtenir une transmission pour sortir d'ici et faire quelque chose que vous n'auriez jamais pu faire. » Allons à 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Saül a été oint. La Bible dit qu'il a été choisi à l'époque dans 1 Samuel chapitre 9. Puis, il a été oint d'huile au chapitre 10 d'1 Samuel. Il s'est transformé en un autre homme. La façon dont il a été choisi n'était pas le choix de Dieu. La Bible dit qu'il dépassait tout le monde de la tête. On dirait aujourd'hui qu'il était grand, brun et beau. D'accord. Le vénard. Saül s'est avéré être un peu taré. Dieu dit « Je vais retirer ce que j'ai mis en Saül, et je vais en choisir un à mon choix. » Combien savent que Dieu ne regarde pas l'extérieur? Il ne regarde pas l'extérieur, car vous le savez d'après le livre de Ruth. Ruth était une femme moabite qui a dit à sa belle-mère « Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera désormais mon Dieu. » Et elles ont fini par glaner, cueillir du coton dans un champ si vous voulez, peu importe. Et elles le faisaient pour le maître qui possédait tout le champ. Un jour, le maître arrive sur un grand cheval blanc et voit Ruth. Il a dit « Wouah ! Wouah ! Wouah ! » Le cheval faisait des cabrioles, vous voyez ce que je veux dire. Il a interrogé « Qui est-ce ? » Et il l'a choisi parmi un groupe, tout comme vous avez été choisi. Il l'a choisi sans que ses cheveux soient coiffés. Vous voyez, quand la faveur est sur vous, vous n'avez besoin de rien. Je dis juste que trop souvent, nous essayons de plaire aux gens, mais nous ferions mieux de plaire à Dieu parce qu'il sait ce qu'il veut nous donner. Voici Saül. Il a vraiment tout gâché.
Dieu a dit qu'il allait en choisir un autre. Alors il va chez Isaïe, qui avait 8 garçons, je pense. Samuel vient et dit à Isaïe, « Dieu m'a envoyé ici pour oindre un de tes garçons. » Je vois bien Isaïe qui se sent assez bien à ce sujet. « Pour sûr, mes garçons sont qualifiés. Venez ici, mes garçons. » L'un d'eux vient. Il vient juste de Harvard. L'autre vient. Celui-ci vient juste de la salle de sport. « Allez, fais des flexions, fiston. » Que s'est-il passé ensuite? Il a dit qu'aucun d'eux n'était l'élu. N'est-ce pas quelque chose? Aucun d'eux. Toutes ces qualifications. Si vous prenez 1 Corinthiens chapitre 1, Paul en parle. Dieu va prendre les choses folles. De nombreux sages ne sont pas choisis parce qu'ils se croient supérieurs à tout le monde. Ils peuvent être choisis, mais ils devront descendre de leurs grands chevaux. Tous les garçons défilent et Samuel dit « Non, ce n'est aucun d'eux ». Il dit « En as-tu un autre ?»« Avec Dieu, il faut demander ». Il a répondu « Oui, j'en ai un autre. Mais il est là-bas à garder les moutons ». C'est un garçon de 16 ans. En ce cas, fais-le venir. Ils l'ont ramené et l'Esprit de Dieu a validé et a dit « C'est lui ». Dans le naturel, ça n'avait pas l'air juste. David était là-bas. C'est un guitariste. Parfois, les guitaristes sont différents. Il a 16 ans. Voyons ce que Samuel a fait. Verset 12. Il l'envoya chercher. David entra. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de qui? Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait le mettre sur eux, et faire quoi? L'enlever. Mais il a dit, pour vous dans Jean 14, que lorsqu'il met son esprit sur vous, il sera avec vous pour toujours. Dites amen à cela. Au chapitre 17, vous pouvez voir pourquoi il a tué un lion. Pourquoi il a tué un ours. À présent, il s'avance au front et regardez le verset 32. David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » En d'autres termes, il a été entraîné à cela, depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas aller contre lui. Il a répliqué, « Non, laisse-moi y aller. Comprenez que cette onction qui vient sur vous va vous distinguer. Elle va faire en sorte que, quelle que soit la situation que vous avez, vous n'allez plus la fuir. Vous allez courir vers elle. Regardez ce que David a dit. Dites confiance. Confiance dans l'onction. Oui, pas en vos capacités. Parce que si vous essayez de le faire avec vos capacités, l'onction ne vous laissera pas aller de l'avant et le faire. Mais quand vous savez que l'onction est sur vous et en vous, et que vous avez foi en cette onction pour faire face à des choses impossibles, et que vous libérez cette onction pour agir, vous verrez la même chose que David, et la même victoire sera remportée. Examinez David, parce que Dieu est sur le point de vous emmener dans un combat que vous ne pouvez pas gagner. Il est sur le point de vous mettre dans un problème ou de vous faire résoudre un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Il est sur le point de vous donner une propriété que vous ne pouvez pas vous permettre. Vous feriez mieux de vous préparer. Il ne veut pas que vous disiez « J'ai fait cela ». Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 29 « Qu'aucune chair ne se glorifiera en ma présence ». L'onction vous fait parler comme Dieu. David court vers Goliath au verset 45 et dit aux Philistins « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un quoi.
Dieu. Il n'a pas seulement dit qu'il allait tuer Goliath, il a dit « Je suis sur le point de tuer toute l'armée. Il faut arrêter d'essayer de penser et ramener les choses à un niveau où l'on peut faire quelque chose. Prenez-le, continuons. » C'était David. Allons dans Juges, qui a deux personnes impliquées. L'un d'eux était Gédéon. Vous trouverez cela dans Juges chapitre 6. Dieu vient à lui et dit « Mon vaillant et brave guerrier, c'est ainsi que Dieu vous voit. » Il s'est exclamé « Qui, moi ?» Il a dit « Je vais t'utiliser pour libérer Israël. » Il a dit « Attends une minute. Attends. Tu ne sais pas. Je ne suis pas allé loin à l'école. Je n'ai que le niveau collège. » Et il recule. Dieu insiste « Non, je vais t'utiliser comme un seul homme. » Alors que fait-il? Il le prend, puis Gédéon rassemble 33 000 hommes pour l'aider. Pourquoi? Parce que l'Esprit de l'Éternel est venu sur lui. Dieu dit quelque chose dans Juges 7. « Tu en as trop pour moi. Dis-leur ce que tu vas faire, et la plupart auront peur et voudront rentrer chez leur maman. » Il le leur a dit, et ils sont tous partis sauf 10 000. Dieu insiste. « Tu en as encore trop pour moi. Parce que l'onction ne fonctionne que par la foi. Et si tu peux le faire, la foi ne sera pas activée. Ainsi, Dieu va vous aider à faire ce que vous ne pouvez pas faire, pour que vous puissiez faire ce qu'il vous a demandé de faire. Gédéon a pris 300 hommes et a vaincu toute une nation. Des hommes oints. Puis-je continuer? Allons dans Juges 15 où on rencontre un homme oint nommé Samson. Examinons ce qu'il a fait au verset 15. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main et la prit. Et il en tua combien d'hommes avec? 1000 hommes. Il tua 1000 hommes avec une mâchoire d'âne. Nous appelons cela une onction 1000 fois plus grande. L'onction. Un homme contre 1000? Dans Genèse et dans 1 Samuel chapitre 22, vous verrez que des hommes qui étaient fauchés, ruinés et dégoûtés se sont joints à David. Vous verrez dans 2 Samuel qu'un seul homme pouvait en tuer 800. Pourquoi? Ils ont pris cette onction par association. Dans 1 Chronique chapitre 29, vous allez voir combien ces hommes qui étaient dans la détresse, qui étaient endettés, et ainsi de suite, ont donné pour construire le temple. Ils ont donné des milliards. Ceux-là même qui étaient fauchés ont suivi un homme oint et ont donné des milliards. Il a tué 1000 personnes avec une mâchoire d'âne. C'est l'onction. Mais au chapitre 16, il a eu un problème. Cette femme nommée Delila l'aimait bien, et apparemment, il avait un petit faible pour elle. Tout « ce qui a l'air bon pour toi n'est pas bon pour toi. » Verset 16. « Comme elle le tourmentait tous les jours par ses paroles et le pressait, son âme en fut affligée jusqu'à la mort. » Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force se retirerait de moi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Recevez-vous la révélation ?» Comparé à une personne ointe, quelqu'un qui n'a pas cette onction est faible. Je n'essaie pas de parler de manière condescendante de qui que ce soit, mais je vous fais juste savoir que vous avez une onction. Dirigeons-nous vers une conclusion. Allons dans l'évangile de Luc, chapitre 4, s'il vous plaît. C'est Jésus annonçant son ministère. Luc, chapitre 4, versets 16 à 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il ferma le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Je suis sur le point de vous dire quelque chose qui va vous échapper si vous avez l'esprit charnel. Mais si vous avez un tant soit peu de spiritualité, cela va vous enthousiasmer. » Jésus dans Marc chapitre 1 a été baptisé dans l'eau. La Bible dit que quand il est sorti de l'eau, Jean-Baptiste l'a baptisé. Les cieux se sont ouverts.
l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Qu'est-ce qui se passait? Il était habilité tout comme l'huile a été versée sur David. Il était habilité. Quelqu'un dira, « Mais Jésus était Dieu. » Oui, nous savons qu'il était Dieu, mais il a mis de côté sa capacité divine et a dû opérer en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que l'autorité terrestre a été donnée à un homme. Vous avez compris? Et s'il opérait en tant que Dieu, pourquoi aurait-il besoin d'être oint? Où allez-vous obtenir plus de puissance que Dieu lui-même? Je vais quelque part. Voici Jésus qui commence son œuvre. Il guérit les malades, ressuscite les morts, chasse les démons. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 15, versets 29 à 31, il a même guéri les estropiés. La Bible dit, dans chacun des évangiles, qu'il les a tous guéris. Peu importe ce qu'ils avaient, il les a guéris. Dans Matthieu chapitre 8, le centurion est venu à lui et a dit, « Mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centurion répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Je veux que vous compreniez ceci. Je viendrai le guérir. Il n'a pas dit « Qu'est-ce qu'il a ?» Quel est le diagnostic du médecin? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ça n'avait aucune importance. Voici pourquoi je veux vous dire ceci. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 10, « Ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je parle et il fait les œuvres. » Jean 14, verset 12, « en vérité, je vous le dis, « celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Il va les faire aussi, et de plus grandes. » D'où cela vient-il? De l'Ancien Testament. Retrouvons Élisée qui suit le prophète Élie. Alors qu'il le suit, il a la révélation qu'Élie est sur le point de partir. Il continue de suivre. Élie dit, « Pourquoi ne restes-tu pas ici? » « Non, non !» « J'ai entendu que tu es sur le point de partir. Je vais te suivre. Que veux-tu de moi ?» Il a dit, « Je veux une double portion de CE qui est sur toi. » « Eh bien, si tu me vois quand je pars, tu auras cette double portion. » Tout d'un coup, voici qu'arrive une Rolls-Royce du ciel. Voici qu'arrive un char du ciel qui le soulève et son manteau tombe. Élisée ramassa le manteau, le plia et frappa l'eau. C'est important. Il frappa l'eau. Et l'eau se fendit comme ils l'ont fait avec la mer Rouge. Il est passé à sec. Mais voici ce qu'il a dit quand il l'a frappé. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il n'a pas dit « Où est Élie ?» parce qu'il savait où Élie était allé, et il savait ce qui provoquait les miracles. Ce n'était pas Élie. C'était l'onction sur Élie. Ce n'était pas Oral Roberts. Ce n'était pas le frère Kenneth Hagin. Ce n'était pas T.L. Osborne. C'était le manteau qui était sur eux. Ce n'est pas l'homme, c'est ce que l'homme a sur lui. Et je vous dis que Dieu ne fait exception de personne. Ce que vous pensez être vous, ce n'est pas vous. Si vous vous lancez dans cette onction et dans la confiance que Dieu veut que vous ayez en elle, vous pourriez avoir la même chose. Quoi que vous ayez aujourd'hui n'est pas à la hauteur de « c'est eux que Dieu veut que vous ayez ». Mes amis, si vous n'avez pas bénéficié de cette onction, vous n'avez jamais fait l'expérience de la plupart des choses que Dieu a pour vous. Mais je décrète que ce soir sera votre jour. C'est ce soir que vous allez changer. Ce que je vous ai dit ce soir, c'est que vous avez cette onction non seulement sur vous, mais aussi en vous. Et Dieu vous donnera plus de connaissances que n'importe qui d'autre. Job chapitre 32 et verset 6, j'ai presque fini. Je veux vous montrer quelque chose ici. C'est important pour vous. C'est dans la traduction amplifiée. Et Élihu, fils de Barakil de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune et vous êtes tous très vieux. C'est pourquoi j'ai eu peur et je ne vous ai pas fait part de mon opinion. J'ai dit que les jours devaient parler et que la multitude des années devait enseigner la sagesse. Mais il y a un esprit dans l'homme et l'inspiration du Tout-Puissant qui leur donne l'intelligence. Les grands hommes ne sont pas toujours sages, et l'âge ne comprend pas le jugement. C'est pourquoi j'ai dit,
Écoutez-moi, je vous donnerai aussi mon avis. Voici une traduction de ce texte. À présent, la traduction de Message de Job 32, verset 6. Voici ce que dit Élihu, fils de Barakil de Buz. Je suis un jeune homme et vous êtes tous vieux et expérimentés. C'est pourquoi je me suis tu et je me suis abstenu de participer à la discussion. Je me suis dit que l'expérience parlerait. Plus on vit, plus on devient sage. Mais je vois que j'avais tort. C'est l'Esprit de Dieu en un individu et le souffle du Tout-Puissant qui donne aux sages une vision humaine possible. Les experts n'ont pas le monopole de la sagesse. Vieillir n'est pas une garantie de bon sens. J'ai donc décidé de prendre la parole. Écoutez bien, je vais vous dire exactement ce que je pense. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ici? Que dit-il? Que Dieu est sur le point de vous envoyer dans des endroits où les gens ont plus d'expérience que vous. Ils sont plus âgés et plus expérimentés que vous. Ils ont été là plus longtemps que vous. Ils ont eu plus d'avantages que vous. Mais il va souffler sur vous et va vous donner une intelligence au-delà de tout ce qu'ils n'ont jamais eu. Les derniers seront les premiers. Ne voyez-vous pas ce que je dis? Je vais conclure par deux choses. Dans 2 Samuel chapitre 6, l'arche de l'Alliance était amenée au temple et était sur un chariot. Et le chariot a heurté un trou et a commencé à trembler, et elle a presque glissé, et un homme a essayé de la toucher. Il est mort. Ne touchez pas à mon oint. Vous arrivez à une époque où vous verrez que lorsqu'ils sont venus contre Jésus, il est allé dans un autre endroit. Mais il n'en est pas de même pour l'Alliance de l'Église. Lorsqu'Adam a péché, le Saint-Esprit a dû partir. Il a dû partir, les amis. Il n'est revenu par certains canaux qu'à cause de la prière, ou parce que quelqu'un avait cru, c'est pourquoi vous avez vu l'échelle de Jacob. Mais lorsque l'onction a été déversée dans les derniers jours sur toute chair, il est dit que quelque chose est venu comme le bruit d'un vent puissant et impétueux. Qu'est-ce que c'était? C'était le Saint-Esprit qui remplissait la terre. Voici la révélation. Dieu n'a pas besoin d'aller quelque part pour être partout. Voici donc ce qu'il dit dans Ésaïe 54, verset 17. « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Si les gens parlent de vous, Dieu est sur le point de s'occuper d'eux. Les sorcières essaieront de vous arrêter. Dans Actes chapitre 13, il y a un magicien qui essayait d'empêcher Paul de témoigner au gouverneur. Mais voici ce qui s'est passé. La Bible dit que le Saint-Esprit est venu en Paul, et voici ce qu'il a dit. « Tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps. » Et immédiatement la cécité tomba sur lui. Jésus n'a pas fait cela, parce que cela ne faisait pas partie de sa dispensation. Je dis que vous êtes sous une dispensation différente. Vous êtes sous une dispensation où ils ne vont pas vous empêcher de finir le travail que Dieu vous a appelé à faire. S'ils se mettent en travers de votre chemin, ils vont détester s'être mis en travers de votre chemin. Ils ont essayé d'arrêter Moïse. Et Moïse a dit, « Pharaon, laisse aller mon peuple. » Pharaon a dit, « Non, boum, jugement. » Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon a dit, « Non, boum, jugement. » Pharaon, laisse aller mon peuple. Pharaon, non. Boum, jugement. Puis Pharaon les a finalement laissés partir, mais il a fait une erreur. Qu'a-t-il fait? Il est allé après eux. Mais regardez ce qui est dit dans Ézéchiel, chapitre 33, verset 11. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire. Ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Que dit-il? Je ne cherche pas à tuer des gens. Mais s'ils ne te laissent pas partir, ils vont m'entendre. Les amis, il y a des sorcières qui se lèvent tôt le matin pour maudire l'Église. Mais nous entrons dans un temps où s'ils parlent contre vous, Dieu dit, « Je vais maudire ceux qui essaient de te maudire. » Les amis, non seulement Dieu va vous protéger, mais il va vous protéger, vous et votre famille. Votre fille peut aller quelque part,
et vous ne craignez pas qu'elle soit agressée. Vous ne craignez pas que votre fils ait un accident. 16 jours sont terminés. Rendez gloire à Dieu. J'ai des versets sûrs et pour tout ce que je vous ai dit. Tout. Tout. Cet homme, Abimélec, a pris la femme d'Abraham et l'a emmenée dans son royaume. Que s'est-il passé? Dieu est venu à lui dans un rêve. Voici ce qu'il a dit. Tu n'es qu'un homme mort. Il s'est levé, a commencé à supplier Dieu. Dieu a dit, « Demande à Abraham de prier pour toi, afin que tu ne meures pas. » Voici ce qu'il a fait. Vous pouvez lire cela dans Genèse 20. Il dit que parce qu'il avait fait subir à Abraham un embarras ou une honte, il a donné à Abraham de l'or, il a donné à Abraham du bétail, et ainsi de suite. Je dis que c'est ce qu'on appelle la récompense. Cela dit que lorsqu'ils s'en prennent à vous et vous offensent, ils vont devoir vous payer. Croyez-vous ce que je dis? Vous allez devenir trop cher pour qu'on s'en prenne à vous. Est-ce le bon groupe auquel je parle? Il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il ferma le livre, s'assit, et tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et il s'est arrêté là. Mais ce n'est pas là qu'Ésaïe s'était arrêté. Il a dit, « Et aussi un jour de vengeance de notre Dieu. » Jésus n'a pas lu cela parce que ce n'était pas sa mission. C'était la mission du Saint-Esprit quand il est revenu. Désormais, il va exécuter la vengeance. La vengeance n'a rien à voir avec la revanche. La revanche est une œuvre de la chair. La vengeance est un jugement et elle vient de Dieu. Et quand ils s'en prennent à vous, ils vont devoir payer. Et je dis que si vous croyez cela, cela fonctionnera pour vous. Si vous ne le faites pas, cela ne le fera pas. Je vous dis que vos jours de harcèlement sont terminés. Non seulement cela, mais vos jours de pauvreté sont aussi terminés. Vos jours de manque sont terminés. Nous n'avons pas compris la vengeance et l'onction. Nous avons été victimes. Ce n'est plus le cas. Nous sommes victorieux désormais. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Rendez à Dieu la gloire qui lui est due au nom de Jésus. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.